Lors de mon passage en Côte d'Ivoire, je devais absolument rencontrer Loza Malambo. Cette jeune créatrice et influenceuse a su faire de ses qualités multiculturelles un atout pour émerger sur la scène internationale. Aujourd'hui, elle se sert des réseaux sociaux pour se différencier de la concurrence et se faire une place dans un milieu souvent compliqué pour les jeunes créateurs. Femme moderne, elle ne veut cependant pas rompre avec les traditions et la culture de l'Afrique noire, mais cherche à en faire une force pour ses collections. J'ai fait 5-6 ans à New York et avant ça j'étais à Philadelphie, j'ai étudié à Philadelphie. Ma décision de rentrer à Abidjan, c'est vraiment c'est un coup de tête instantanément, mais aussi j'ai toujours voulu rentrer et utiliser les valeurs locales, les matières locales pour créer quelque chose. Je me suis décidée, je suis revenue et j'ai jamais été autant inspirée qu'en Côte d'Ivoire. Le désir d'en savoir plus moi-même par de tout ce qui est culture africaine, pas seulement ma culture identitaire, mais aussi d'autres pays d'Afrique, parce que ça me fascine, parce que je pense qu'il y a une histoire à créer par rapport à ça, à travers le vêtement. Donc en général, quand je crée mes vêtements, c'est vraiment la question que je me pose, c'est comment utiliser les matières traditionnelles et les rendre modernes et dans un langage moderne qui peut se vendre à l'international. Depuis que je suis rentrée, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un immense boom. Ouais. Où tu as de plus en plus de stylistes qui se lancent et qui prennent le courage pour commencer des marques de vêtements. Loza a aujourd'hui 71 000 abonnés sur les réseaux sociaux et elle vend ses créations dans le monde entier et possède une boutique à Abidjan. Elle fait partie des businesswomen qui donnent un souffle nouveau à la mode africaine et elle ne compte pas s'arrêter là. Il faudra garder un œil sur ce jeune talent qui nous réserve encore bien des surprises.